c'est Francis Zégut. Ça va les amis? Oui, on va repartir. Oui, il y a une moto, oui, il y a des lunettes de soleil. On va repartir aux États-Unis pour parcourir la côte est entre Miami et New York. Et on va visiter beaucoup de choses. Assister tout d'abord à une course de NASCAR à Daytona, aller faire la causette avec les alligators dans les Everglades. À Miami, il y a Cap Canaveral, il y a Walt Disney World, de quoi passer du bon temps, des routes magnifiques. On va même aller jusqu'à Key West avec ce pont de plusieurs centaines de kilomètres sur la mer des Caraïbes. Ensuite, on va remonter tranquillement, on s'arrêtera à Washington. Washington et la Maison Blanche, à Philadelphie. On va s'arrêter dans un champ où il y a eu en 1969 le festival de Woodstock. Eh oui, bon, l'herbe sera plus verte qu'à l'époque. Il y aura bien une petite boutique de t-shirts pour amener quelques souvenirs. Et puis New York, évidemment, avec l'Hudson River, la Statue de la Liberté, le pont de Brooklyn, Times Square. Que du bon à partager avec vous. Vous pouvez partir comme vous le voulez, avec une Triumph, avec un V-twin américain, avec une Ford Mustang décapotable ou dans un van à plusieurs pour la belle ambiance. Les amis, une belle aventure, un rêve qui peut se réaliser. Si vous voulez plus ample information sur l'itinéraire ou bien les tarifs, voilà tout simplement en fonction de la formule, il y a un site internet rtl2america.fr.